Je suis examinatrice, j'ai un jeune qui va passer le permis. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'on a quand même un sacré décalage d'âge. On va voir. Oh là là, je vois rien du tout parce qu'il me faut des lunettes pour lire. Et comme il y a un soleil là, à cramer un œuf. Entrez, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Ça me stresse, j'ai vraiment l'impression de passer le permis. Non, ne stresse pas, parce que vous savez, avec moi, ça va pas être de l'image de film. Hein. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, et vous? Ça me stresse, j'ai vraiment l'impression non, de passer le permis. Non, non, rigolez pas, il faut prendre un peu les choses au sérieux, parce que nous sommes en 2023. Vous tremblez, oh là? Vous avez pris un exemple. En vrai, j'ai l'impression de retourner avec Flo, qui m'a enculé quand je levais pas les Écoutez, yeux. Vous m'excusez, mais on n'est pas là pour raconter sa vie. Hein. Allez, allez, préparez-vous. Normalement, vous avez tout appris. Hein. Ok, très bien. Chibine, Serena. And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Nolto no. Je vais commencer par... Putain, je sais plus. Normalement, vous savez pas me dire par où vous commencez. Hein. Vous savez, maîtriser un peu les choses. Attendez, j'ai une notif Tinder. Oh putain, cette jeunesse. J'ai une notif Tinder, on sait jamais si je rencontre ça pas Ça va, toi, tu l'as bien appris quand même. Parce que là, je pense qu'on va... Tu parles à qui, là? Eh bien, à celui qui t'a fait conduire, qui t'a appris à la monitrice. Ça va, Flo, ça va bien? Je mets les rétroviseurs, le siège est bon. J'ai peur d'oublier un truc. Allez, on met la ceinture. J'ai oublié un truc, là, déjà. Bon. Tu sais même plus, toi. Moi, je le sais. Étant donné qu'il n'y a pas de soleil, il y a quand même des phares allumés. Mais non, les phares, c'est quand il pleut, madame. Normalement, eh bien, justement. Oui, ah oui, c'est vrai, je porte des lunettes noires. C'est à cause des moucherons, parce qu'ils s'enterrent vers moi de temps en temps. Bon, vous avez regardé les rétroviseaux extérieurs et... Les rétroviseaux, oui. Bon, ça va, vous pouvez y aller. On y va. Ça commence bien. Je dirais. Je vais où? Ben... À gauche? C'est bien, oui, à gauche. Clignotant! Ça commence bien. J'ai oublié. Oula, attendez. Il faut bien que j'enlève un peu mes lunettes là, parce que moi je trouve que vous allez un peu trop vite. Hein. Vous êtes un peu jeune là. Hein, je suis à 40, monsieur, mademoiselle. Oh oui, il fait beau aujourd'hui. Hein. Taisez-vous. Regardez la route. Bou. Ah, oh, vous prenez de la vitesse. Hein. Doucement. Mais je suis à 46, madame. Oui, 46, vous me dites, bah, oh là. Oh là. Attention, il y a un pied. Je fais quoi? Je l'écrase? Je fais quoi? Non, non, vous n'allez pas écraser quand même. Il a déjà une barre à la main. C'est qu'il a des problèmes, des difficultés. Oh, je vois rien. Attendez. C'est moi qui décide. Oui, nous allons en face. En face? Oui. Allez, on y va. Mais vous faites des démarrages. C'est là, un démarrage en nous sommes pas des chômeurs, hein. Attention, hein. Oh, 30 ans. Ah, il y a des poules. Oh là là, attention. C'est quoi ce dos de poulet, là? Il y a des poules qui, j'ai failli écraser une poularde. Oui, mais regardez à droite et à gauche. Moi, j'en perds le chapeau. J'en peux plus. Non, allez, on se concentre, là. Il fait chaud dans cet habitacle. Mais où tu me fais passer, là? Il y a un dos d'âme. C'est quoi, ça? C'est un dos d'âme d'enfant, quoi? C'est quoi? Je sais même pas. Oh là là! Bon, moi je suis à l'envers. Vous habitez là, dans ces campagnes si retirées. Ben ça oui. Existe ça? C'est la profondeur de la France, ça. Bon, on accélère un peu, je m'ennuie. Non, doucement, monsieur. Encore dedans, c'est quoi ça? Oh non. Vache, c'est quoi ces dodanes? C'est des dodanes. Ça te ferait décoller le périnée. Eh ben, moi, il me fait décoller mes cacahuètes. Hein. T'en as pas. C'est un flan hein, que j'aurai à la fin. Oh, waouh! Par contre, je sais pas où on va. Tu m'as fait aller à un endroit, je sais pas où on va. Mais après, on fera un retour tout droit. C'est quoi ça? On va pas quand même rentrer dans le champ? Je vais où là? C'est quoi ça qui est allumé? C'est une voiture qui arrive. Ah ouais, mais non, t'es Miro. Je suis en double. T'es Miro, toi. Ah, mais attends. T'es grave Miro, toi. Non, mais attends, tu me parles pas comme ça. Hein. Mais on avait large temps. Je vais où, là, madame? À droite, allez. Clignotant. Mais tu me fais aller dans des chemins qui où il n'y a personne. T'as peur, hein? Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Ah ouais? Que... Eh ben, on va y aller.
Non, non, doucement. Et jeune homme, je tiens à la vie. Oh là, arrête. Il y a des oiseaux. Je crois que j'ai tué un oiseau. Je crois que j'ai foncé. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les piafs? Je suis déboussolée, là. avec ce jeune-là. Ses lunettes, et puis les doubles, je vois rien. Bon, allez, on enlève un peu les lunettes pour éclaircir un peu cette tête. Si attention, nous avons un chien à droite, jeune homme. Merde, continue. Aïe. Attends, c'est pas un tigre. Il me regarde, il me course après. On n'est pas au zoo de Vincennes. Mais il me course après, le cabot, maintenant. Depuis quand je suis votre mère? Oh, il perd la tête, ce gosse. Monsieur, madame. Mais qu'est-ce que tu m'as amené, là? Jamais il aura son permis. Je vais lui faire faire un demi-tour, ça va être vite fait. Hein. Vous me dites pas que j'ai raté le permis, parce que sinon je conduis comme un cabot, je m'en fous. Non, ça commence bien. Où on va, là? Je vais où? Bon, on va à droite. À gauche, c'est mieux à gauche. Oui, allez-y. Allez, prenez à gauche. Oui. Oh là, il y a une voiture. Attention, jeune homme. Oui, il y a une voiture, je la vois pas. De quoi? Je rigole. C'est quoi que tu m'as amené là? Je sais pas. Oh là. Allez, on y... Pourquoi vous avez fait rire? Ça va pas? Vous êtes sous exomil ou quoi? Non, parce que... Non, on n'est pas chez mémé ici, hein. Jeune homme, on se perd pas. Mais on n'est pas perdu, on est peine perdu. Moi, de mon temps, c'était pas comme ça. J'ai envie de les foutre un coup de matraque. C'est une zone combien, là? Une zone 30. Je suis en double foyer. Mais si on a 40, c'est pas grave, on perd juste un point. Oh là! Quoi? Eh bien, c'est interdit. Je vais où? Vous me faites perdre la tête. À droite. Où c'est qu'on va? À l'aréole. Oh, putain, on va à l'aréole. Oh, ça me fait connaître du pays, là. Je dois la laisser passer? Ah oui, il faut la laisser. Mais attendez, qu'est-ce que tu as pris, connasse? Oh là, tu vas me prendre. Mais il n'y a pas de passage piéton, j'étais pas obligée, je pouvais l'écraser, non? Non, un dodane, ça veut dire ralentir. C'est pas un dodane, là, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Mais d'où tu me l'as sorti, toi? Oh, tu veux que je te vous voie, c'est quoi ça? C'est un tutoiement, vu l'élève que tu m'as mis dans la voiture, là. Vous êtes pété, madame. Hein? Déjà, je te montrerai ce que j'ai entre les jambes. On dit pas madame, hein? Je suis un monsieur, hein? J'ai deux pères, moi, ma Henriette, elle est heureuse avec. Bon, alors on va où, là? C'est la fin de la zone, je sais pas combien il faut y aller. Mais toi, tu sais même pas, tu vérifies même pas les panneaux. Attention, c'est eux qui ont priorité. Quoi? Ah, mais vous me déboussolez, monsieur, hein? Doucement, très bien. Vous vous lancez très très vite. Vous vous croyez à la foire des trônes ou quoi, là? Regarde le jogger qui roule. Oui, non, monsieur. Allons. Salimé. Non. Mais il est... Mais madame, oh, les mains, pas de la paix. La maîtresse en maillot de paix. Non, mais il est malade, hein. Oh, j'ai même la moustache de travers. Mon Henriette, elle me verrait. Mais toi, tu t'inventes des films dans ta tête. T'as des gros bruits, hein. Et ben, des gros bruits. Ma femme, je parle à ta monitrice. J'ai pas mis une seule fois le clignotant, t'as rien dit. Moi, je fais ce que je veux. Non, mais de toute façon, l'affaire va être vite classée, hein. Il est un peu à l'aise. Regardez, une main. Les mains, allez. On va aller faire les vérifications si tu veux au parking. Il y a un parking pas loin. Il y a un parking, on va aller. Oui. Je vais vous poser des questions. Moi, je serai à réviser. Non, vous parlez pas comme ça. On n'est pas chez mémé ici. Moi, je t'emmerde, la moche. Ah, de quoi? Qu'est-ce que tu as? C'était là, la base de loisirs. Va falloir faire un demi-tour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Serrez un peu à droite, hein, je trouve. Ah bon? Pourquoi vous rentrez chez les gens comme ça sans dire ça? Parce que je fais un demi-tour, madame. Vous m'avez dit de faire un demi-tour, madame. Oh là. Mon Dieu, non. Il n'est pas prêt. C'est par là? Non, c'est pas par là, c'était par là-bas. Aïe. Moi, on m'a dit que c'est les... bon, on va. Moi, on m'a dit que les parigots, c'est des têtes de veau. Mais putain, si, ils sont vraiment terminés, hein. Bah, nous, les bordelons, dit chocolatine. Chocolatine, ma gueule. Tais-toi, attends, chocolat. J'ai pas trop le temps, là, il faut que je le fasse vite. Hein. Un demi-tour comme ça, en pleine rue, ouais, sans dire quoi. Calé. Ah bon? Mais où on va? Je sais pas. Non, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Je sais pas. Je n'ai plus de mots pour discuter avec ce jeune homme. Hein. Je n'ai plus de mots. Hein. C'est là, non? Ah oui, c'est là. Oula, mais c'est bien étroit.
Aïe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur, tu veux pas montrer ta belle moustache au monsieur? Eh oui. Elle est où cette base de loisirs là, qu'on puisse se garer? Je sais pas où elle est. Il y a des flèches, jeune homme. Vous avez tout appris, hein? Qu'est-ce que tu lui as appris, putain? T'es endormi là ou quoi? Oui, c'est quoi ce chien là? Qu'il fasse gaffe à son chien parce qu'il va voler son chien. Bon, jeune homme, vous allez faire une marche arrière. Une marche arrière? Dépêche-toi, maman, il y a quelqu'un. Oh mon Dieu! Il y a quelqu'un qui te voit. Allez, sors, c'est bon, tu sors. Dépêche-toi, maman, ils attendent. Il y a des gens derrière moi. Ferme. Aïe, Seigneur! Il y a des gens juste derrière qui la voient avec sa moustache, la honte. Elle est où? T'as honte, hein? Je vais faire la marche arrière de là-bas. Oh putain, il va faire la marche arrière. Mets-toi derrière moi, que je vienne. Hein. Oh, elle comprend rien. Mais elle avance, mais je vais l'écraser. La gueule qu'elle a. Allez, marche arrière. Aïe, aïe, aïe. Stop, stop! J'ai pas réussi? J'ai réussi ou pas? Vous avez pas eu du mal, hein? Les gendarmes. Ouais, enfin, il y a des gens qui sont passés, qui m'ont vu. Hein. Allez, on y va. T'as tes doigts devant, maman. Non, mais qu'est-ce que tu te filmes, toi? Allez, marche arrière, je te vois. Hein. Il me fait peur. Doucement! Stop! Quoi? Allez, on va faire les questions, les vérifications. On va faire les questions et les vérifications. Pas besoin de répéter, hein. Te répète. Allez, ce que je dis. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez deux exemples. Pour pouvoir bien voir la route. S'il est trop relevé, peut-être qu'on ne voit pas la route. Tu me regardes mal. Tes lunettes, elles sont pétées, la vieille. Et aussi pour avoir une bonne accroche du volant, quoi, pour pouvoir bien rouler droit. C'est quoi la réponse? Tu te rends compte ce que tu m'as mis dans la voiture? Un poil. C'est pas grave. Pourquoi avoir le volant? Ben pour avoir une bonne assise, quoi. Comment vous faites quand vous êtes à la ménopause? Parce que heureusement que je suis un mec, hein, parce que là, mes roustoles seraient sur le capot. Hein. Vous vous rendez compte de ce qu'il m'a répondu? C'est quoi la réponse? Quelle est la question que je t'ai posée? Pourquoi il est important de bien régler? Oui, c'est ça. Le confort de conduite, oui. L'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord. Ah, moi j'étais de dehors, oui. L'efficacité des airbags. Mais moi je suis petite, donc moi c'est la visibilité d'extérieur. Si ah non, vous n'avez rien parlé de l'intérieur de la voiture. Encore une, contrôler l'état, oula, la propreté, la fonction, le fonctionnement des feux de route. On va passer, écoute. On switch la question. On n'a pas envie. Autre question. Attends. On triche. On a la flemme de sortir la voiture, il fait trop froid. Bon, je vais pas m'allonger au sol quand allez, même. Allez, vas-y, c'est quoi la question? Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? Tu fais la scène et j'explique. Il y a des gens, non? Hein? Si, vas-y, on va dehors, on va faire ça, tiens. Je vais m'allonger au sol? Oui. Allez, putain. Allez! Mais attends, mais je vais m'allonger. Allez, sur la victime. Doucement, doucement, il y a une maison juste là. Allonge-toi. dans quelle situation je dois bouger la victime? Déjà, il faudrait qu'elle me réponde. Madame, vous allez bien? Ta gueule! Mais qu'est-ce que je vais bien, seulement j'ai bu quelques degrés. Il faut bouger la victime quand on sent qu'elle va bien. Enfin, si elle est complètement défractée, il ne faut pas parce qu'on peut lui faire plus de mal que de bien. Par contre, si elle est dans un endroit dangereux, par exemple en plein milieu d'autoroute, il vaut mieux la bouger pour pas qu'elle se fasse écraser, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas de problème, c'est parce que j'ai bu un peu trop. Aïe, Seigneur. Et c'est quoi la réponse? Est-ce que j'ai les binocles adéquats? Oh, je sais même plus. Ah oui. En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable, le déplacement de la victime doit rester exceptionnel. Ce qui veut dire que tu n'as rien à toucher. Tu appelles les secours. Pas besoin de citer là. Et il ne faut pas toucher. Allez, on repart. Comment m'a gonflé la gueuse? Ah, mais vous décidez comme ça, on repart. Par contre. Bon, on y va? Oui. On va où, là? Je vous laisse. Ah, je me débrouille. Oui. Je sais pas. Je vais... Je continue. Non, on va pas aller par là. On va aller à toute direction. Ouais, il vaut mieux quand... Enfin, si t'es pas... De toute façon, c'est sans interdit, là. C'est très bien, jeune homme. T'as vu? On continue, hein. C'est bien. Toute direction, c'est quand t'as on est perdu. T'as pas mis la ceinture. Oh, mais moi, je suis déboussolée. Je pense que... La meuf, c'est l'examinatrice. L'élève elle dépasse même pas la le maître, là. Hein. Ah oui, je conduis bien, hein. Oh oui, oui, on va voir. Vous allez voir.
Bon, j'enlève mes lunettes parce que je vois plus rien. Plus rien. Ah bon? Ah non, attends, je suis en double foyer alors que les doubles foyers, c'est juste pour lire. Oui, à droite, la roséole. Très bien. Toi, tu fais tout, examinatrice. Si, c'est... Caméraman. Deux en un, comme le produit vaisselle. Qu'est-ce que je fais là? Oula. Ah, arrête, doucement. Oh là là, moi là... Mais comment tu filmes? Mais moi je sais plus. Mais filme la voilà. Je fais quoi là? Ah quoi? Non mais moi je croyais que tu partais. Quand même. Ben 40. Hein. Bon, essayez de me trouver un bureau de bat. Enfin, j'essaie de parler en verlan à cause de ces putains de gosses là. Hein. Un bureau de tabac. Tu veux un bureau de tabac? Ouais ouais. Mais je t'es examinatrice, tu vas pas aller chercher des clopes? Taisez-vous, jeune homme. C'est moi qui commande ici. Je sais même pas où c'est qu'il y a un tabac. Vu la grosse merde que vous avez fait jusqu'à maintenant. Oh non, je conduis bien, il faut un pas peu dire. Plus, un peu moins. Oh, bah, j'enlève les mains du volant. C'est... Mon Dieu, les gens, ils roulent doucement parce qu'ils voient les cas qui passent là sur la route. Hein. Il fait beau. T'as vu, c'est joli le décor. Hein. Non, non, il faut pas s'occuper du décor. Sinon, on va vite passer au décor. Moi, j'ai jamais vu un élève comme ça. Oh, doucement. Doucement, jeune homme. J'adore la faute, moi, je l'ai déjà mon permis, tu sais que j'ai jamais eu les 12 points. J'ai tellement perdu de points, je n'ai jamais eu les 12 points de ma vie. Non, ça décolle. Le maximum, c'est 9, je crois que j'ai eu. Pourquoi vous parlez des points? Vous n'avez même pas eu votre permis. J'ai le clignotant qui continue, personne ne me dit rien. Je ne sais pas conduire, toi, je sais pas pourquoi tu es examinatrice. Hein. Tu parles, jamais eu de problème. Non, hein. Oh, t'as eu un accident, t'as laissé deux chicots sur le volant. C'était quand j'étais avec toi qu'on a cherché le dentiste. Non, à Barougeant. Quand on habite dans les routes, t'as laissé deux chicots sur le volant. Elle s'est mangé le volant, il y a deux chicots qui a volé. C'est pas vrai? Un, pas deux. Ah, une, ça va. C'est comme dans Koh-Lanta, à la fin, il en reste doucement, un peu. Doucement, on a fini dans sur pivot. Enfin, j'ai pivoté ce jour-là. Elle était où la chicot? Elle était scotchée au volant? Je sais pas. Je l'ai cherchée parce que ça coûte cher une dent quand même. On part vite hein, dans le décor. Hein. Ah, mais je connais moi ce village. Tu connais? Oui, je pourrais le faire. Regarde, je le fais les yeux fermés. Il a l'air un peu perdu. Les yeux fermés. C'est... Non, non, ne ferme pas les yeux. Aïe! On va essayer de voir s'il y a un tabac là-bas. Ouais, il y en a un d'ouvert là. Oh mon Dieu. Il y a les flics, moi. Oh. Super, le moment où je fais ma vidéo. Bonjour. Bonjour. T'as les papiers? Oui. On pourrait croire que c'est un canular quand même, comme par hasard. Non. Eh ben allez. Non mais comme par hasard. À faire les... L'auto-école, arrête. On s'est fait choper. Vous avez entendu? Et le nombre de points perdus, c'est combien? 4 points. Ah oui, très bien. Oh. Ben, écoute. Bonne journée. Ouais. Merci. Bonne journée. Par contre, on s'arrête pas au tabac là. Moi, je m'arrête plus là, maman. Non, mais à quelle est la probabilité de tourner une vidéo YouTube et de perdre des points pendant la vidéo YouTube, maman? Non, mais les gens vont pas le croire. Ils vont pas le croire. Juste avant, je t'ai dit, je n'ai jamais perdu de points et comme par hasard, je me fais arrêter. J'ai perdu 4 points, maman. Là, il t'en reste quoi maintenant? 1. Non, ben 4 moins 9. 8, 7, 6, 5, il m'en reste. Je dois pas aller faire un stage et tout là. Oh non. Non, là, tu fais pas de stage. Tu les as pas perdus, tes points. Donc mais j'ai perdu 4 points. À un moment donné, tu dois faire un stage quand il t'en reste plus beaucoup. Non, non, non. Tu vas faire un stage quand il te reste plus de points. Non, mais attends, c'est incroyable de perdre des points le jour où je tourne une vidéo. Ah non, j'en reviens pas. Mais vous allez pas le croire de ça. Vous allez vraiment pas le croire. C'est pas possible. Et le flic qui me voit avec la moustache en biais, elle a dû se dire d'où. Mais en plus, tu sais que t'avais la. Heureusement qu'ils n'ont pas vu le sigle police, hein, parce que ça, c'est interdit d'avoir ça. Oh mon Dieu, alors là, c'était la totale aujourd'hui. Hein. Bon, écoutez, là, je vais pleurer quelques secondes tout seul, donc je vais vous laisser. Puis voilà. Hein. Voilà. Tu te rends compte, pour quelqu'un qui passe le permis, j'ai réussi à passer le permis et à perdre 4 points sans avoir le permis, vu qu'elle me l'a pas remis. Tu me le remets par gentillesse parce que... Oh, mais je préfère vous le donner, le permis. C'est incroyable, on n'en revient pas, quoi. On s'est fait choper par les flics et moi, en plus, j'avais la moustache collée. Mais je vous assure, c'était affreux. Bon, tu me remets le permis, alors? Bon, allez, je vous donne l'as du volant. Ah, oh, merci. Bravo. C'est vrai que j'ai l'as du volant. Bisous, mes petites gousses d'ail.
Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.